Bravo! Ah, j'ai gueulé là, il m'a attendu. Franck, ce soir, on a vu une grande pouliche. Voilà, bah, grande par la taille déjà, c'est sûr, et puis la qualité, on avait du mal à y croire, mais moi, la maison me faisait beaucoup de choses favorables vers les semis classiques. En classe pure, elle était vraiment bien. Et là, ce soir, elle a prouvé trois accélérations. Une au départ, une devant les tribunes, il y a eu un contre, et puis en face, j'ai repris, mais pour finir, elle s'est bien lancée, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui a changé depuis ces dernières tentatives? Parce que là, on l'a vraiment senti, on t'a senti sûr, et elle, on l'a senti également prête à batailler avec les meilleurs, tout simplement. Ouais, bah moi, j'avais tendance à pas vouloir l'emboucher au niveau du mort. Donc j'ai mis un mort plus dur aujourd'hui, ça permet aujourd'hui de respirer. La dernière fois, elle respirait pas, et les fois d'avant non plus. Donc on était 2, 3, 4, mais jamais bien. Et là, aujourd'hui, mon travail d'entraîneur a bien fait. Alors, ça fait plusieurs fois que tu nous en parles bien de cette Classica du Ruel. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta meilleure pouliche pour le moment? Oui, la pouliche, c'est sûr. Dans les mâles, j'ai conçu le Madrick qui est bien. J'ai du mal à régler aussi, lui, il est un peu plus tordu. Hein. Mais c'est bien, l'autre jour, je suis deuxième et quasiment à la hauteur des premiers. Donc si ces deux-là font jusqu'au bout, on va être bien armé pour cet hiver. Ah, c'est bien, non? Ouais, c'est bien. Ah, non. Ça confirme maintenant que c'est des... Ouais, puis... Ça confirme. Elle est mignonne. Parce que... c'est pas parce qu'elle s'infiltrait comme elle a fait dans la corde. Ça, elle est droite. Ouais. Frédéric, deuxième. Ça s'est pas couru pour elle, bizarrement. Bah ouais, ça s'est pas trop bien goupillé, mais bon, c'est les courses. Hein. Franck, il saute dans le dos de Shana Dufer, et puis 200 mètres après, elle crame, et après, bon, il recule un peu. Mais bon, la jument, elle court bien, elle seconde. Peut-être qu'elle aurait pas, peut-être que la gagnante est sur la montante, mais la jument court super bien. Ouais, elle confirme tout simplement que depuis ses débuts, c'est une pouliche qui est très sérieuse et qui fait partie des meilleures. Ouais, voilà, je pense qu'elle peut sûrement gagner un gros morceau maintenant, mais faudra que ça se goupille bien, quoi. Faut être là en embuscade et là, c'est une bonne jument. Et c'est assez bizarre parce que au travail, autant avant en gain, j'avais vu qu'elle était bonne. Mais depuis cet automne là maintenant, au travail, la jument elle fait plus voir qu'elle est bonne, elle fait même peur, mais elle fait toutes ses courses, donc ça va. En début de réunion, tu as travaillé Black d'Avril, quelles sont les prochaines courses pour lui? Lundi, il y a semi classique de mâle et de femelle, donc lundi. Il va être prêt? Bon, après, c'est un cheval qui aime bien enchaîner les courses à 15 jours, mais par contre, il est super bien. Je sais pas s'il est archi prêt, mais il est super bien. Une bonne troisième place, heureuse, il y en a qui vient d'attaquer qui fait la faute. Mais là je m'en cours bien. Première fois qu'elle avait des œillères plates, elle était un peu trop gazée derrière, le dos du leader. Et puis bon, Cédric manque un peu encore d'expérience à ce niveau-là, mais ça n'est pas trop mal sorti. Et là je m'en pour finir était un peu fatigué, mais franchement, vu comment elle a tiré, elle court très bien. Ouais, c'est de bon augure pour la suite. Bon, on n'a pas beaucoup de marge, on va essayer de gagner un prix de série et puis après se faire plaisir dans ces courses-là. Mais oui, quand on est troisième de ces courses-là, bien sûr, c'est sympa.